c'est votre première séance de détatouage? Ouais, première séance. Ok. C'est un tatouage que j'ai fait il y a quelques années maintenant, il y a bien 6 ans, je dirais, et petit regret de jeunesse. Et depuis, Sindel souhaite s'en séparer. Hop, je vais vous demander du coup d'enlever le haut et de vous installer, s'il vous plaît. On a un tatouage vraiment qui paraît professionnel, de l'encre noire uniquement. Ça va être facilement traitable, il est sur une zone plutôt plane. Cette trentenaire est sûre de vouloir le faire enlever, elle redoute tout de même la douleur. Normalement, avec l'anesthésie, ça va picoter légèrement, mais vous êtes prête? Oui. Alors? Ça va. On est parfait. Ce médecin utilise un laser qui permet de retirer l'encre logée sous la peau. On fait exploser donc les pigments d'encre qui vont être en fait après digérés par l'organisme, par des cellules de l'organisme. Il lui faudra 5 séances pour que son tatouage disparaisse entièrement. Mais d'autres ont besoin de plus de rendez-vous, comme cette jeune femme qui en est à son 7e. On a dû recalibrer l'énergie et augmenter l'affluence pour avoir un bon effet cutané. Si l'intensité change, les prix varient également en fonction de la zone du tatouage et de sa dimension. C'est beaucoup plus mal que de se faire tatouer, ça coûte beaucoup plus cher. Le process de le faire enlever dure beaucoup plus longtemps que de le faire faire. Mais après, voilà, c'est une décision qui est réfléchie, beaucoup plus que quand j'ai fait le tatouage en tout cas. À l'approche de l'été, il est tout de même recommandé d'éviter de s'exposer au soleil dans les jours qui suivent la séance de détatouage et de le réaliser chez un spécialiste.